Here we go pour l'épisode 4. On a, on commence par regarder le rapport mensuel des jeunes joueurs. Euh, on a ce jeune égyptien Zaidan Nasser, l'outil Meyer, Selmi. Euh, comment est-ce qu'on peut voir à ah, leur potentiel Oui, il est là? Donc, lui entre 68 et 88. Donc il n'y a rien d'intéressant. Bon de toute façon, euh, je sais pas pourquoi j'ai ça. Hein. Moi j'ai rien demandé, je voulais pas de jeunes joueur. Je tenais à vous informer. Je voulais vous demander une seconde chance. Bah tu auras une chance mon pote, mais, mais il faut être patient. Il faut être très patient. On va vite fait faire les entraînements. Et ensuite, je pense qu'on a un match de Ligue 2 qui nous attend. De toute façon, ça va être beaucoup ça. De hein. ça... toute façon, on n'aura pas grand chose d'autre à jouer. On aura quelques coupes. Mais ouais. Aujourd'hui. 3. Havre. C'est ça. Non, 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 non. Je ne vais pas simuler. Et Ajaccio. Deux matchs à domicile. Un match à l'extérieur. Ben écoutez, on y va. Ah regardez Ngumu. Il s'est développé. LW en LM. Donc c'est ce qu'on veut. C'est vrai qu'on n'a pas encore trop fait gaffe à ce que... Au menu, tout ça. On a beaucoup joué sans approfondir dans les menus. Donc lui, je lui avais demandé de jouer milieu gauche. Et donc, il lui reste une semaine pour pouvoir être au top en milieu gauche. Donc, c'est nickel. Bon, maintenant, il y a Manu, hein, mais au moins, ce sera un bon remplaçant. Regardez, Ngoumou, le pauvre. Je sais que vous allez chercher quelqu'un pour remplacer un ailier gauche, mais je pense pouvoir faire l'affaire. Malheureusement, je pense que mon pote t'a pas entendu parler de Manu, toi. Mais t'auras ta chance. Pas maintenant, mais tu l'auras. Voici la team que l'on va aligner pour ce match. Et bah c'est du classique. Toujours Liénard en, en capitaine tant qu'il peut jouer. On le fait jouer, mais quand il est épuisé, on va pas prendre de risques. On a, on a de quoi faire euh, une petite tournante. Donc, il n'y a pas de souci. On va affronter 3 direct. Allez, Waris. Waris, croise. Parfait. Oh, ça commence si bien face à 3 qu'on gagne déjà un 0. Vas-y, gars, pousse-moi ça. Encore champion. OK. On fait quoi Solo. On veut qu'il finisse meilleur buteur cette saison. Alors là, il faut terminer devant le but des qu'on l'a. On aurait pu jouer à gauche. On aurait pu jouer à droite. Mais c'est le but pour cas. Oh, du P. Oh, Manu il s'en sort. Mais regardez. Vas-y. Vas-y fils. Vas-y fils. Oh ça aurait été pour toi cette action Manu. En jeu. Quatre forts jeux. Quatre forts jeux. Ah, il était pas hors-jeu. Hein. Les gars. Allez. Encore une croisée. Oh, guirodon qui est devant pour arrêter cette balle. On change complètement. Ah non. S'il n'a pas fait ce que je pensais. Mais c'est pas grave. Oh, mais encore Girodon. Fin de la première période, les gars. On est encore devant au score. Mais attention à cette équipe de 3 qui peut nous rapidement et qui peut aller égaliser comme à tous les matchs on doit rester concentré absolument absolument yénard en roule ah ça passe au dessus non oh, oh la chance allez moubélé pousse moi ça on va se faire attraper oh Moubellé, mais c'est quoi ce gardien Galon là ah, pour l'instant on tient là, mais euh, ouais on va faire des changements aussi. On va sortir Koné, des Guéré et Bostock. Non, vas-y on fait juste ça. Oh, Qu'est-ce qu'il nous fait Peut rien faire les gars oui oh purée on a eu chaud là sur cette fin de match d'un coup t'as lié là qui devient genre euh, le brésil mais bon il n'y a pas de souci on a suggéré tranquillement ça nous donne une victoire de plus en ligue 2 il y a une offre de transfert de 1 ,3 million 3 pour Diarra. mais euh... Je sais pas. En fait, il faudrait que je l'essaye parce que pour l'instant, c'est que Gonçalves, Gonçalves. Je pense que là, le prochain match, on va peut-être faire tourner. On va donner sa chance à bostock. À bostock, pardon. On va donner la chance à Diarra. Ah non, on a Machado. On a Machado. Non, en vrai, je pense que Diarra, on va accepter l'offre. Mais là, on va faire tourner l'effectif quand même. Voilà. On va mettre du Rogel à la place de, de... de Diakité. Il joue tout le temps Diakité. Bon, Lienard, comme si on peut le faire jouer. On le fait jouer. Au niveau des ailiers, du coup, il faudrait qu'on essaye Ngumu quand même. Hein. Euh... Qui on peut sortir On va sortir. Allez, connaît, comme ça, on est sûr qu'il se repose. Et Ngumu, on va le faire jouer à gauche. Pour l'instant, ça le fait perdre un, mais je crois que c'est à cause du tranchant. Ça n'a rien à voir avec le poste. Donc là, ça va être le match décisif pour Bostock. On a reçu une offre d'un million deux cent cinquante mille. Un bon match. J'accepte pas l'offre. Un mauvais match. Il s'en va directement au Santos Laguna. Et Diarra, on va malheureusement accepter l'offre hein, parce que bah, ça va nous faire des sous. C'est une offre qui est au-dessus de sa valeur. Alors même si je pense qu'avec le temps, il va honnêtement gagner en valeur. Là, on voit déjà à court terme, on doit monter en Ligue 2. Et il ne va pas nous aider cette saison. Ok, par contre, regardez, très intéressant. Une offre de Saïd pour 3,5 millions. On, on doit l'accepter pour le peu de temps de jeu qu'il aura. On est obligé d'accepter cette offre. Et mine de rien, ça nous fait. Euh, bah, ça commence à nous faire des sous de gagner. Hein. Donc c'est parti pour ce match. C'est finalement Bayo. Qui va accompagner Moubélé en attaque parce que Saïd va partir. Ça, ça sert à rien de le faire jouer. J'ai pas envie de faire jouer Koulouris et j'ai dit que j'allais faire reposer certains joueurs. Donc on part avec cette team. J'hésite à mettre euh, Goicoechea qu'on va mettre. J'ai un très mauvais souvenir de lui. C'est le moment de bah, nous, de nous faire oublier ce souvenir pour lui. On y va. On va affronter le Havre avec Fontaine en capitaine. Allez Ngoumou. Hein. Aujourd'hui c'est son match. Ça y est, il est au top pour le rôle de milieu gauche. Oh, Bayo Bayo Qui débarque dans l'équipe avec un but Attention, parce que ça, ça peut changer des choses. Et ça, ça peut faire euh, bah, de la concurrence pour les buteurs. Et c'est jamais mauvais, une petite concurrence. Se sentir en danger de temps en temps, ça peut que motiver les troupes. Oh, <laughs> Moubélé. Le guerrier. Oh, Bayo Bayo Moubélé mais non Exceptionnel à la sixième minute de jeu. Moubélé, il s'est battu et putain. Bayo, voilà. Quelle gentillesse Bon après, non, il avait pas grand chose d'autre à faire. Mais quel duo là Pour l'instant, ça joue beaucoup mieux que un Leya ICK Attention, c'est la sixième minute du match. Oh Oui, Goikoichia alors ça va être très compliqué de prononcer son nom à chaque fois, mais je pense que ça peut le faire et c'est bien, c'est bien qu'il nous sorte un arrêt parce que la dernière fois, je vous jure quand je l'ai fait jouer, mais c'était un tiers pour les adversaires, un but pour eux. On l'a vu, ça doit être Waris. Bien sûr que c'est Waris. Tout seul, mais oui. Oh là là, 3-1 à la 23e minute, il y a des buts et je pense qu'il va encore y en avoir. Pas mal Bostock. Oh non, Bayo Oh, il a frôlé le doublé Bostock Pas mal. C'est ce qu'il doit faire hein, s'il veut me prouver qu'il a sa place. Il n'y avait personne pour l'aider. Il n'y avait rien, il n'y avait rien, mais il y avait Moubélé et son talent incroyable. Quel homme Oh, Ngumu qui envoie Waris au charbon! Ah, il était pas loin! Hein. Allez, on n'en prend pas avant la fin de cette première période. Hein. On n'en prend pas. Bien joué. Non, ah, quoi? Oh purée, j'ai dégagé. Moi, je pensais pas qu'il allait faire un dégagement aussi pourri. C'est la fin de la première période après ce dégagement. Et honnêtement, je pense que ça fait énormément de bien à tout le monde euh, d'avoir fait tourner l'effectif. Du coup, j'ai fait rentrer des joueurs qui ont cette motivation, qui ont envie de prouver qu'ils ont leur place dans l'équipe. Bayo, exceptionnel, Bayo. Bostock, pas mauvais. Ngoumou, rien à dire, voilà, rien de spécial pour Ngoumou. Le gardien il fait le taf entre guillemets, c'est parfait. Oh l'erreur! Oh non, j'ai voulu faire le mariole. Je fais sortir Dimitri Léna ainsi que Moubélé. Je pense honnêtement, sans trop m'avancer, que ce match est gagné, donc on prend pas de risque. Eh mais Bayo, il en veut. Hein. Franchement, il en veut. Et il en veut, et il en reçoit parce que. Oh, mais lui, il va en jouer plus qu'un des matchs, hein. ça c'est sûr. Waris Oh là là Mais c'est quoi ce match, les gars 3 qui sont... Ah non, putain, on n'est plus contre 3, là. On est contre le Havre Qui sont à la rue complète Gabriel Sen, quel con. Ah bah, le capitaine Fontaine. Bah, qui nous met un petit but, ça fait 6-2. 6-3 ah, quelle fin de match horrible, hein, le manque de concentration, je sais pas qu'est-ce qui se passe, un relâchement aucune idée. Bon, allez, on se réveille, bien joué guacheca là, go go. Go go, chica. go, go chica. Mais en tout cas, je suis pas non bah vous voyez, il est en, il est en jeu. Bah 3 trois buts quand même qui se prend Allez Waris, s'il te plaît, va leur montrer qu'on est toujours... Oh non Vas-y, Coulouris, le pauvre, il doit être en sueur après avoir vu ce qu'a fait Bayo. Ouais, voilà, il voulait aussi mettre son petit but pour faire douter l'entraîneur. Mais... Ça fait 7-3 et c'est quoi ce genre de score, sérieux On se fait un petit tour là, euh, dans l'accueil d'équipe, pour voir... Le développement Non. Où est-ce qu'on voit euh, globalement comment ils ont euh, évolué Il faut faire un par un. Il faut peut-être faire un par un, je ne sais pas. Bon, on va voir. De toute façon, je pense que ça n'a pas énormément changé. On a Leia Iseka qui a pris plus 1. Mubele qui a pris plus 1. Ngumu il a pris plus 1. Pareil pour Kone. Euh... Ok, bah c'est tout. Mais il a pas perdu hein, un euh, Liénard Ah non, il est toujours à 75. Moi bon, je croyais l'avoir vu à 74. Et au niveau des stats, ça donne quoi Bon du P que une invincibilité quand même, mine de rien. Hum... Ouais, surtout au niveau des buts, j'aimerais aller voir en fait. Manu, 3 matchs, 2 buts, une passe D. Liénard 1 but, une passe D en 7 matchs. Oh, des est Des bonnes stats. On ok. Ivanov, du coup, qu'on n'a pas encore fait jouer, le pauvre. Il, il a été emmené dans un traquenard. Waris, très gros stat. Moubelé, les YCK, on n'en parle pas. Eh, hey, cool, Auris, hein. Quatre matchs, quatre buts, mine de rien. Il, il frôle les meilleurs. Enfin, il les frôle. Il survole même les meilleurs. Eh bah, Ok, donc c'est du très, très propre. Voici la team pour affronter Ajaccio. On retourne sur du classique avec certains joueurs très épuisés comme Dimitri Lienard, Rogel ou Machado qui ont du mal à enchaîner les matchs, surtout quand il y a très peu de repos. Mais on a d'autres joueurs hein, où il n'y a pas de soucis. Waris, un modèle, un modèle pour l'équipe. Il est beaucoup trop fort, beaucoup trop euh, régulier. Moi j'adore ça. On va affronter Ajaccio, les gars. Quariz, il a allumé le gardien dans un tout petit espace. Mais ça passe parce que qu'il est sur une lancée exceptionnelle, ce mec. Oula, Endai qui nous prend de vitesse. Notre Gonsalves, mais il a déjà quitté derrière pour contrôler la situation. Ouh. Oh, Gabriel Sen qui s'est interposé, sinon c'était but. Et on peut partir en contre-attaque avec Quariz Vas-y champion oh. Waris, qu'est-ce qu'on fait On y va solo Non, oh, on regarde en retrait, les gars, il Oh non, Diallo qui nous fait une Gabriel Sen Vas-y Oh, Diaguité, il est revenu De je sais pas où, mais il est revenu En tout cas, incroyable ce match Oh là là, cette passe, elle est magnifique Ça, c'est but pour Waris mais oui Alors qu'on ne savait pas qui allait marquer, mais c'était sûr que quelqu'un allait marquer là. Bassez-nous ben, et devinez qui c'est. Waris. Allez Manu. Franchement, Manu, il doit être dégoûté. Il voulait être la recrue de l'année, mais bon, Waris, il a carrément... Il a mis les points sur les I. Et dommage, moubelé. <laughs> il a dû. Il doit être dégoûté, Manu. Il voulait être le mec qui a arrivé cet été au Mercato. Et au final, il est dans l'ombre x 10 000 de Waris. C'est sans rancune entre Manu et Waris. Oh Oh non J'aurais pu faire le, le croqueur et puis chercher un triplé pour Waris. Je suis bête, c'est ce que j'aurais dû faire même. C'est ce que j'aurais dû faire. Fin de la première période. Très grosse mi-temps de notre part. On ne prend pas de but, les gars. Et ça, c'est génial. Waris, sérieusement. C'est la recrue de l'année, tout championnat confondu. Il va nous offrir la Ligue 2. Hein. Belé, pour Léa. Ok, ça c'est bon. Ça enroule. Oh non, ça touche le poteau. Non, mais non. C'est pas sport. Très honnêtement, c'est par fair play euh, d'être Waris. Et en plus, il allume le gardien en pleine lucarne. Ajaccio, terre. Waris, 3. Ajaccio, Z. Allez, on prend pas de but dans ce match. Hein. Ça va être l'objectif. Je suis tellement plus serein quand c'est dupé et pas goye On va l'appeler Goye. Quand... Donc, je suis beaucoup plus serein quand c'est dupé et pas goy Bien sûr. Bien sûr, c'est avant tout euh, que j'ai effectué ce geste pour euh, privilégier l'esprit d'équipe et la bonne entente. Au sein de cet effectif. La concurrence est rude, mais ça prouve que chacun est là pour l'autre. Que si quelqu'un est en galère, l'autre viendra aider cette personne en galère, tout simplement. Et c'est avance tout ça, le Toulouse FC. Et là, regardez la joie. La joie de l'entraîneur. Le roi Bayo qui rentre. Moreira et euh, Bostock. Mais surtout Bayo. Attention à lui pour ses 8. Bonne dernière minute. Oh oh. Deux contre deux. Manu, Manu, allez s'il te plaît, vas-y champion. Oui. Il faut, il faut, un peu le mettre à la lumière quand même. Hein. Et vous avez vu, Waris s'est sorti. Manu, il a pris la confiance. Ah, c'est une concurrence malsaine au sein de cet effectif. J'aime pas ça. Voilà, il est là, le champion. De toute façon, à m'écouter, il y a que des champions dans cette équipe. C'est gagné 5-0, notre plus belle victoire cette saison. Très honnêtement, parce que marquer 5 buts mais en encaisser 0. Désolé, c'est exceptionnel. Waris bien sûr qui reçoit le ballon de ce match. Incroyable vraiment. Et quel épisode, on monte en puissance euh, littéralement, j'ai l'impression qu'on est inarrêtable. Alors après euh, hors RP, pardon, si je vois que le niveau de jeu est vraiment trop faible, on montera le niveau de l'adversaire évidemment. Mais on peut pas sur deux matchs alors que voilà, début de saison on a galéré. Donc pour l'instant j'attends encore. Et on s'arrête sur ces mots pour cet épisode. À la prochaine pour l'épisode 5.